when I spoke earlier today, et plus tôt ce matin, lorsque j'ai le sujet that I want to delve deeper into, et je vais aller en profondeur. And that is Isaiah chapter 40 from verse 1. Et Esaïe chapitre 40 à partir du premier verset. To verse 5. Au verset 5. And I'll read it again. Et je vais lire encore une fois. Comfort you, comfort my people. Consolez, consolez mon peuple. Says your God. Dit votre Dieu. Speak comfort to Jerusalem. Parlez au cœur de Jérusalem. And cry out to her. Et criez-lui that her warfare is indeed ended. Que sa servitude est finie. Tell somebody your warfare is over. Dis à quelqu'un ta servitude est finie. Look at another person and say your struggling is over. Regarde quelqu'un d'autre, dis-lui tes luttes sont terminées. Say to Nigeria your struggling is over. Dis à au Nigeria ton combat est terminé. Say to your nations your struggling is over. Dis à ta nation tes combats sont terminés. He says that her iniquity is pardoned, for she has received from the Lord's hand double for all her sins. Que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. And it's amazing. C'est étonnant. In verse 1 and 2. Dans le verset 1 et 2. The Lord is comforting us. Le Seigneur est en train de nous consoler. But from verse 3, mais à partir du verset 3, his voice changed. Sa voix, le ton de sa voix a changé. Look at it. Regardez. He said, the voice of him that cried in the wilderness. Il dit, une voix crie dans le désert. Prepare ye the way of the Lord. Préparez le chemin de l'Éternel. That voice is a voice of command. Cette voix est une voix d'ordre. It's not a suggestion. Ce n'est pas une suggestion. It's a command. C'est un commandement. Prepare ye the way. Préparez le chemin. Prepare ye the Préparez way. Préparez le chemin. If you want to see my glory, si vous voulez voir ma gloire, prepare ye the way. Alors préparez le chemin. What is prepare? Que voudrait dire préparer? Simply, it means training. Simplement, la formation. Preparation. La préparation. Training. La formation. Training. La formation. Equipping. L'équipement. Which means the Lord is saying, ce qui veut dire que le Seigneur dit, I am coming to do something. Je viens pour faire certaines choses. But prepare for it. Mais préparez-vous à cela. Develop the skills. Développez les capacités. Develop the emotional strength. Développez la force émotionnelle. Develop yourself. Développez-vous. So that I can use you. Afin que je puisse vous utiliser. To do what I want. Vous savez ce que je veux. Look at somebody and say, develop yourself. Regarde quelqu'un, dis-lui, développe-toi. Look at someone and say, prepare yourself. Dis à l'autre, prépare-toi. The Lord gave us a hint. Le Seigneur nous a donné un tic. About the four types of people that give him problems. De quatre personnes qui lui ont donné des problèmes. And I already summarized them for you. Et je l'ai déjà résumé pour vous. He said the first type of people that I have problem with. Il a dit le premier type de personnes avec qui j'ai des problèmes. Are the valley personalities. C'est des personnalités qui sont des valets. Who are these? Qui sont ces personnes? These are people with low self-esteem. C'est ces personnes qui ont une moindre estime de soi. When I'm telling them I will use them, et quand on leur dit que Dieu veut les utiliser, like Moses, comme Moïse par exemple, they are giving me excuses. Ils me donnent toujours des excuses. I can't speak. I can't speak. Je ne peux pas parler. I'm too short. Je suis trop court. I'm not good enough. Je ne suis pas assez bien. And for some of you, somebody tells you you're black. And you believe it. Et pour certains d'entre vous, quelqu'un vous a juste dit que vous êtes noir et vous le croyez. Somebody tells you you can't do anything and you believe it. Quelqu'un vous a dit que vous êtes bon à rien et vous croyez cette personne. The Lord says if you are among those. Et le Seigneur dit si vous faites partie de ce lot, you are a problem to vous, me. Vous êtes un problème pour moi. You're stopping me from what I want tu to do. Tu m'empêches de faire ce que je veux faire. You're seeing the problem from your own eyes, not from my own eyes. Tu regardes, tu abordes le problème de ton point de vue, non pas du point de vue de Dieu. The second group.
Et le deuxième groupe, these are the group that think they are God. C'est ce groupe de personnes qui pensent être Dieu. Nothing can be done without them. Rien ne peut être fait sans eux. So when God wants to do something, alors quand Dieu veut faire quelque chose, they block it. Ils bloquent Dieu. Who are some of these people? Et qui sont ces gens de personnes? They are those, some of them are very stubborn. Et ce sont ceux-là qui sont têtus. If you give them instructions, quand vous leur donnez des instructions, they will say, who are you? Ils vont te dire, qui es-tu? If you say that God said, si vous leur dites, Dieu a dit, he said, God has not spoken to me. Il va te répondre, Dieu ne m'a pas encore parlé. Why is he only speaking to the mothers? Pourquoi c'est seulement aux mères qu'il parle? He must speak to me too. Il faut qu'il me parle à moi aussi. Have you ever met some of those people? Est-ce que vous avez déjà eu à rencontrer de telles personnes? Do you know them? Est-ce que vous les connaissez? And because of your stubborn nature, et à cause de votre nature, votre têtutesse, the glory of God cannot manifest. La gloire de Dieu ne peut se manifester. Today the Lord will deal with it. Aujourd'hui, Dieu va traiter avec cela. The other group, l'autre groupe, as I said before, et comme je l'avais dit avant, very crooked people. Ce sont des gens vraiment très cruels. They don't believe, très malins. They don't believe in transparency. Ils ne croient pas à la transparence. They can't give good account. Ils ne peuvent pas donner un bon compte. If you give them money, quand vous avez besoin de l'argent, you start intercessory prayer. Vous devez commencer à faire l'intercession. Hoping the money will be used right. Afin, pensant que l'argent doit soit bien utilisé. They don't understand system. Ils ne comprennent pas le système. They don't understand processes. Ils ne comprennent pas le processus. Today the Lord will help you. Aujourd'hui le Seigneur va vous aider. And lastly, et pour continuer, the rough personalities. Cette personnalité rude. These ones, celles-là, they are raw. Ce sont comme elles sont rudes. In brutes. Even in attitude, même leur attitude est très brute. They are raw. Elles sont brutes. By the time they speak to you, après qu'ils vous aient parlé, you are finished. Vous êtes terminé. If you give them something to do, si vous leur confiez quelque chose à faire, they lack the skills. Ils vont voir, ils manquent de qualité, de qualification. To finish it well. De qualification pour bien terminer cela. The Lord said, I will deal with those today. Le Seigneur dit, je vais traiter avec cela. He said, prepare ye them for me. Et il dit, préparez-les pour moi. Train them for me. Formez-les pour moi. You know, I'm beginning to see. Et j'ai commencé à voir. The way the Lord prepares people for ministry. La manière dont Dieu prépare les gens pour le ministère. Is no different from how companies manufacture products. N'est pas différent de la manière dont les entreprises fabriquent les produits. It's the same process. C'est le même processus. Every manufacturer. Tous fabricants. Always start with raw materials. Commence toujours par la matière première. Everybody say raw materials. Que quelqu'un dise la matière première. Everybody say raw materials. Dis matière première. We come to this world as raw materials. Nous sommes venus dans ce monde comme de la matière première. But every raw material must be processed. Mais chaque matière première doit passer par un processus de transformation. And there are usually three stages of processing. Il y a souvent trois étapes de processus de transformation. The first stage. La première étape. I call it product formulation. Je l'appelle la formulation du produit. What do you want to put into the product? Qu'est-ce que vous voulez mettre dans le produit? How do you want to mix the ingredients? Comment voulez-vous mélanger les ingrédients? But you will not know what to put in the product until you know what the product is designed to do. Vous ne saurez comment faire le produit à moins que vous ne sachiez ce pourquoi le produit sera fabriqué. So, the same way in developing people and preparing them for the work of ministry. Et de la même manière que Dieu prépare pour le ministère. You must have a good idea what they are supposed to do when you finish producing them. Et vous devez savoir ce à quoi ils vont servir après leur formation.
If you make a mistake at the product formulation stage, alors si vous faites l'erreur depuis l'étape de formulation du produit, you will produce a product that's ineffective. Vous allez fabriquer un produit qui ne sera pas efficace. Not adequate for what it is intended. Un produit qui ne sera pas adéquat à ce pourquoi vous l'avez créé ou bien vous l'avez fabriqué. And that would be an error. Et ça serait une erreur. Now, after a product has been formulated, donc après l'étape de formulation du produit, and then manufactured, et maintenant la fabrication, there's yet another stage. Il y a aussi une autre étape. I call it the packaging stage. Je l'appelle l'étape de l'emballage. Even though I have designed something that is effective, même si j'ai déjà décrit quelque chose qui est efficace, how do I package it? Comment vais-je l'emballer? So that the intended users can accept it. Afin que l'utilisateur puisse accepter le produit à la fin. Because some people can reject things that are good. Parce que certaines personnes peuvent même rejeter le produit bien que le produit soit bien. Just because it's not packaged well. Juste parce que c'est pas bien emballé. Others have also purchased things that are bad just because it's packaged well. Et d'autres aussi achètent des produits qui ne sont pas bien juste parce que l'emballage est bon. So to prepare you for ministry, not only must you be formulated well in terms of inner content, but you must also be packaged with the place of placement in in mind. Otherwise, the very people you sent can reject you. Donc, le fait de vous fabriquer comme un bon ministre pour Dieu n'est pas seulement de vous former pour l'intérieur, mais aussi de vous amener au point où vous allez rencontrer le besoin des autres afin que ceux-là puissent vous accepter et que vous soyez efficace. And even when we finish training you and packaging you, et même après que nous vous aurions formé et emballé, we still have to design a system for your distribution. Nous avons toujours besoin de modeler un système de distribution. And even when we distribute you, et même après la distribution, we still have to define a system. Nous devons toujours définir un système to make sure you are relevant locally. Pour s'assurer de votre pertinence sur le plan local. So preparing people for ministry, alors préparer les gens pour le ministère, is more than training. C'est au-delà de la formation. When you finish training, après la formation, and the training must have appropriate curriculum. Et il faut aussi que la formation suit un programme approprié. We still have to think about how to package you. Après, on verra comment t'emballer. For example, par exemple, if we're sending you to a francophone country, si je vous envoie dans un pays francophone, mais vous parlez le français, non? Do you speak English? You have to speak French. Vous devez parler français. It's part of the packaging. Et ça fait partie de l'emballage. Hello. Am I communicating? Est-ce que je suis en train de communiquer? And if we're sending you to any nation, we have to teach you to dress like them so they can think you are one of them. Et si vous devez aller dans un pays, on doit vous enseigner comment vous habiller comme ces personnes afin qu'ils vous reçoivent comme étant partie d'eux. And yet many of you that God wants to use. Et il y a encore beaucoup d'entre vous que Dieu veut utiliser. You are still holding on to your local language. Mais vous êtes toujours attaché à vos. You are still insisting on how you will dress. À vos manières de s'habiller. By the time the Lord is finished with you. Après que le Seigneur aura terminé avec vous. The Lord will dress you. You will no longer dress yourself. Le Seigneur va vous habiller. Ça ne sera plus votre habillement, mais l'habillement de Dieu. So leadership development is a process. Alors le leadership development c'est un processus. And every one of the process is critical. Et chaque session du processus est critique. But the Lord say. Mais le Seigneur dit. Prepare ye. Préparez. A people. Un peuple.
for me. Pour moi. Properly packaged. Bien emballé. For the work I've called them. Pour l'œuvre que j'ai pour eux. Lift up your hands. Élevez vos mains maintenant. Tell God. Dis au Seigneur. However you want to train me. Qu'importe comment tu veux me former. Have your way. Prends contrôle. However you want to package me. Qu'importe comment tu veux m'emballer. Have your way. Fais ce que tu veux. Wherever you want to send me. Qu'importe où tu veux m'envoyer. I release myself to you. Je me relâche à toi. But whatever you do. Que quel que soit ce que tu feras. Make me useful. Fais de moi une personne utile. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Let me talk about each of these individually. Let me talk about the raw material stage. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'étape de la matière première. Can you show me John chapter 1 verse 12, please? All right, look at this. For as many as received him, to them he gave what? Power. To them he gave what? To become what? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle lui a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. So the moment I accept the Lord Jesus Christ, power has been released inside of me. Donc, dès le moment où je reçois Christ Jésus, le pouvoir a été relâché en moi. Potential has been released inside of me. Le potentiel a été relâché en moi. But that potential is like a seed. Mais ce potentiel est please comme une semence. Project for me Matthew 13:31 quickly. Matthew 13:31. Matthieu 13:31. Matthew 13:31 says Matthieu 13, 31 dit, he put another story before them saying, the kingdom of heaven is like a grain of what? Mustard seed, which a man took and put where? In your heart. That's accepting the Lord Jesus Christ is like taking a seed, a tiny seed, and put it inside yourself. Il proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Le champ, c'est ton cœur. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, Jésus sème ce grain de sénévé dans ton cœur. But that seed mais cette semence is inside a man, a woman, c'est dans un homme, dans une femme who is still raw, qui est encore à l'étape de la matière première. No character. Pas de caractère. No skill. Pas de qualité. All he knows how to dance tout for God. Tout ce que cette personne connaît, c'est comment danser pour Dieu. So that potential must be nurtured. Et cette potentiel doit être nourri. Look at verse 32. Nous allons voir le verset 32. It says, which is smaller than all the seeds. But when it comes up, it is greater than plants, and it becomes what? It becomes what? I can't hear you. Tell somebody, I will be a tree. I may look like a grass now, but it's a seed in me that will make me a tree. If you believe it, clap hands to the Lord. Il dit, c'est la plus petite. Il dit, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. Peut-être que tu es comme des légumes aujourd'hui, mais dis à quelqu'un, je vais grandir et je serai comme un arbre. But look, not only it doesn't become an empty tree, it becomes a tree such that birds of heaven will come and make what? Their resting place. Nations will rest on you. Amen. Organizations will rest on you. Tell somebody, I have the seed. I carry the seed. It's called the seed of greatness. Tell them it has nothing to do with my nose. It has nothing to do with my color. It has everything to do with my inside. Somebody shout hallelujah.
La Bible déclare les légumes vont devenir un arbre. Et cet arbre sera si grand en sorte que les oiseaux du ciel viendront habiter sous ces arbres. Je veux te dire que tu vas devenir grand parce que tu as la semence de la grandeur en toi. Et cette semence de la grandeur qui est en toi, lorsqu'elle sera nourrie et qu'elle deviendra la grandeur, tu pourras nourrir les nations. Les nations viendront à toi. Et cela n'a rien à voir avec ta couleur de peau. Ça n'a rien à voir avec la forme de ton nez, mais c'est une semence qui est en toi. Please give me Ephesians chapter 1 verse 15. Donnez-moi Ephésiens 1, 16. This is the cry of Apostle Paul. Ça c'est le cri de l'apôtre Paul. Ephésiens 1, 15. That you know what you carry. Vous ne savez pas ce que vous portez. That you understand what being born again means. Vous ne comprenez pas ce que c'est être né de nouveau. It's a serious business. C'est une affaire très sérieuse. Tell your neighbor it's a serious business. Dis à ton voisin, c'est une affaire très sérieuse. Look at this scripture. Et regardez à cette écriture. He said, for this cause. Il dit, c'est pourquoi moi aussi. I haven't had the news of the faith that you have in the Lord Jesus Christ. In other words, when I heard that you have accepted the Lord, he said, oh my God, my prayer started to be, do they know what they are doing? Il dit, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour les saints. Ça veut dire quoi? L'apôtre Paul dit, oh, lorsque j'ai appris que vous avez accepté Jésus-Christ, je me suis dit, oh, est-ce que ces personnes savent en fait ce qu'ils sont ou bien ce qu'ils sont en train de faire? Go to verse 16. Verset 16. He says, I give praise without end for you, keeping you in mind in what? In my prayers. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous 17. Dans mes prières. Le verset 17. That God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, will give to you what? A spirit of wisdom and what? Revelation. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. In other words, Paul is praying that you understand that you are now carrying a baby. And very soon, if you feed that baby well, it will become a giant. Et ce que Paul est en train de dire ici, c'est que vous portez un bébé. Et si vous nourrissez bien ce bébé, il va devenir un géant. That's what the Lord means in Isaiah. He say, train the people for me. Develop that giant in them. Let it grow so that they can become trees. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire dans Isaïe 40, disant, préparez le peuple pour moi, qu'il puisse nourrir cette semence qui est en eux afin de devenir le géant. Say to somebody, dis à quelqu'un, I may look small, but there's a giant in me. Je peux ressembler à quelque chose de petit, mais il y a un géant en moi. But how does a tree grow? Mais maintenant, comment est-ce qu'un arbre croit-il? You sow a tree in the ground. Vous semez une semence à terre. You begin to water it. Vous commencez à l'arroser. Not just with ordinary water. Pas seulement, juste avec de l'eau ordinaire. But you add what? Fertilizer to it. Pas que avec de l'eau ordinaire, mais vous ajoutez de l'engrais. What is in fertilizer? Qu'est-ce que c'est que l'engrais? We are told there are three critical elements. Et on nous a dit qu'il y a trois éléments dedans. That plants need to grow. Et dont la plante a besoin pour grandir. Number one is potassium. Premièrement, c'est le potassium. The second one is phosphorus. Le deuxième, c'est le phosphore. And the third one is nitrogen. Nitrogen. C'est le nitrate, les nitrates. As they take in these elements, alors, en mélangeant tous ces éléments, they begin to grow. Les arbres commencent à croître. I speak to your life. Je parle à ta vie. May you receive the potassium. Reçois le potassium. May you receive the phosphorus. Reçois le phosphore. May you receive the nitrogen. Et reçois les nitrates. That will cause you to grow. Qui vont t'amener à grandir. And you become a giant. Afin de devenir un géant. How do I get the nitrogen, the phosphorus, and the potassium? Comment
By reading the word of God. Comment acquérir le potassium, le phosphore et les nitrates? C'est dans la lecture de la parole de Dieu. In John chapter 8 verse 32, quickly. Dans Jean 8 verset 32. John chapter 8 verse 32. Jean 8 32 dit. John chapter 8 verse 32. Jean 8 32. It said, okay, go to 31. Qui dit? Let's start from 31. On va le commencer par 31. And then Jesus said to the Jews who had faith in him, Jesus is saying to you that have faith in him. He said, if you will keep my word, then you are what? Truly my disciple. Look at verse 32. And you will have the knowledge of what is true, and that will set you free. Il dit aux Juifs, aujourd'hui c'est à toi le croyant, celui qui croit en lui, qui avait cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. As you eat the word, alors que vous mangez la parole, it's watering your spirit. Cela va arroser votre esprit. It's watering the potential in you. Va arroser le potentiel qui est en vous. You begin to grow. Vous allez commencer par croître. In the process, dans le processus, you begin to hear the voice of God. Vous allez commencer à écouter la voix de Dieu. Telling you what He has created you to be. Et qui? What He has created you to et be. Et il va te dire ce pourquoi il t'a créé. I will never remember, forget. Et je vais pas oublier. In 1995. En 1995. Living in Atlanta, Georgia. En ce temps, j'étais en Atlanta, en Georgie. At that time, I was an assistant professor of chemistry. En ce temps-là, j'étais professeur assistant de chimie. Or I think I've become an associate professor of chemistry. Et j'étais associé, professeur associé de chimie. Doing research. Faisant les recherches. Playing with molecules. Et jouant avec les connaissances. I thought that's what I would do for the rest of my life. Et je pensais que j'ai connu ce que je ferais pour le reste de ma vie. I made the mistake of having a regular morning devotion with the Lord. J'ai fait l'erreur de ne pas avoir une méditation régulière avec le Seigneur. And as I was reading, et alors que j'ai commencé à lire, I was reading the book of Nehemiah. Je lisais le livre de Jérémie. I was even in chapter 8. Et j'arrive au chapitre 8. Suddenly something happened. Et soudain quelque chose s'est passé. It's like a fire engulfed me. C'est comme si un feu m'avait enveloppé. And I heard a voice. Et j'ai entendu une voix. Say, this is the scripture you are created to fulfill. Et la voix me dit, voilà ce pourquoi il t'a créé. You are a Nehemiah. Tu es un Néhémie. If you continue in my word, si tu continues dans ma parole, you will know the truth. Tu connaîtras la vérité. And the truth will make you free. Et la vérité t'affranchira. After that time, après ce temps, I resigned my job as a chemistry professor. J'ai démissionné en tant que professeur de chimie. I'm prepared to move back to Nigeria. Et je me suis préparé pour revenir au Nigeria. I told my wife, j'ai dit à ma femme, the Lord says we are moving back to Nigeria. Le Seigneur me dit de retourner au Nigeria. She said to me, that sounds wonderful. Elle me dit, oui, ça semble merveilleux. Since he spoke to you, comme il t'a parlé, why don't you just go ahead and move? Pourquoi toi tu ne pars pas? When he wants me to join you, et quand il voudra que je me, he will speak to me. Quand il voudra que je te joigne, je me joigne à toi, il va me parler. Everybody must hear for themselves. Que chacun prenne soin de lui-même. I wanted to react. Je voulais réagir. But the Lord said to me, don't do that. Mais le Seigneur m'a dit, ne le fais pas. She will join you 3 years later. Elle va te rejoindre 3 ans plus tard. My wife was a nurse in U.S. Et ma femme, elle était infirmière aux États-Unis. Trained at University of Emory, so one of the best. Elle était formée à une de ses bonnes universités. When I left to come back to Nigeria, donc quand j'ai quitté pour revenir au Nigeria, my wife moved from Georgia to California. Ma femme a déménagé de Georgie vers la Californie. She was going as far away from Africa as possible. Elle s'éloignait davantage de l'Afrique. Somebody shout hallelujah. Que quelqu'un crie alléluia. But I must also say, in that time, she was the one supporting the family. Can you clap for her? Et j'aimerais dire que ce temps aussi, elle était vraiment importante dans la famille.
But while she was in California, et quand elle était en Californie, she made mistake of attending a church just for a casual church service. Elle a fait l'erreur d'aller dans une église juste comme ça. And the pastor said, "My sister, please come." Et le pasteur a dit, ma sœur, venez. I have a word of the Lord for you. J'ai une parole du Seigneur pour vous. I think you are called as a missionary. Je crois qu'on t'a appelé comme missionnaire. And I think it's in Africa. Et c'est en Afrique. My wife even wanted to move from California to the Caribbean. Yeah. Elle voulait quitter Californie pour les Caraïbes. If you continue in my word, si vous continuez dans ma parole, you will know the truth. Vous connaîtrez la vérité. And the Lord spoke to her. Et le Seigneur lui a parlé. She was not the one that called me and said, "The Lord said to me, I should join you." Et c'est alors elle qui m'avait appelé plus tard pour me dire, le Seigneur m'a demandé de te rejoindre. And by the next year, she has joined me. Et l'année passée, elle m'a rejoint. You will locate your ministry. Tu vas localiser ton ministère. You will locate your ministry. Tu vas localiser ton ministère. And when you locate it, et quand tu vas le localiser, your comfort will be disrupted. Ton confort sera disloqué. For some of you, it is your comfort that's keeping you from connecting to your ministry. Certains d'entre vous, c'est le confort dans lequel vous êtes qui vous empêche d'être connecté à votre ministère. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Please give a clap offering to my wife. Acclamez ma femme. Today, she is the chief of administration of Institute for National Transformation. Aujourd'hui, elle est l'administratrice principale de l'Institut de Transformation. I don't even know. I don't think she knows where her nursing certificate is anymore. Anyway, that's another discussion for another time. Praise the Lord. Louez le Seigneur. What am I trying to say? Qu'est-ce que j'essaie de dire? Anyone that has served the Lord Jesus Christ, there is a seed of great potential in you. Quiconque accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a une semence d'un grand potentiel en vous. God cannot say you are great and then you're telling God he's making a mistake. Dieu ne peut pas te dire que tu es grand et maintenant tu lui dis qu'il est en train de faire des erreurs. Look at somebody and say to them, "You carry greatness." Dis à quelqu'un, tu as la grandeur. Manifest it. Manifeste la grandeur. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Now, maintenant, how do you move from the raw material stage to the product formulation stage? Alors, comment quitter l'étape de la matière première vers la formule, l'étape de la formulation? I said earlier to you, et je vous l'ai dit plus tôt, the kind of training you must go through is determined by your job description when you go out there. Et le type de formation que vous devez suivre est déterminé par la description de tâches que vous allez accomplir. The training curriculum must be appropriate for the job you're supposed to do. Le programme de formation doit être approprié au travail que vous allez accomplir. For some of you, pour certains d'entre vous, it's time to go back to school. Vous devez retourner à l'école. C'est le moment de retourner à l'école. Some of you are going back for your PhD. Sorry? PhD. PhD degree. Yes. Doctorate degree. Yes, what you say? I said some of them are going back for their doctorate degree. Certains doivent retourner à l'école pour faire leur doctorat. Some are going back for master's degree. D'autres doivent aller faire le master. Not to go and collect a degree. Pas seulement pour aller recevoir des diplômes, but you are using that to build skills, mais pour l'utiliser afin de bâtir des compétences that you need for the next assignment. Parce qu'il y en a besoin pour le devoir suivant. Some of you, like me, sometimes I don't have the discipline to read on my own, so I need somebody to supervise me to make sure I'm doing it right. Et certaines comme moi, par exemple, je n'ai pas la discipline de lire de moi-même. J'ai besoin que quelqu'un me surveille pour pouvoir lire ou bien faire des recherches. Some of you need to develop and learn different languages. Certains d'entre vous, vous avez besoin d'apprendre différentes langues.
Wedding Women Coordinators, parlez-vous le français? Wedding Women Coordinators, do you speak God French? God is bringing you French daughters. Le Seigneur vous donne des filles françaises. Ah, dis donc. Somebody shout hallelujah. Que quelqu'un crie alléluia. Project for me Isaiah 61 verse 3 and 4. On va voir Isaïe 61. I want to show you our job description in this season. Je vais vous montrer notre description de tâches pour cette saison. Verse 1 talks about deliverance. Le verset 1 parle de la délivrance. But I don't want to go to, it will kill my time. Look at what it says. It says to give them a fair headdress. Are we hairdressers? Which translation is this, my friend? I didn't know that hairdressing is in the Bible. Okay, thank you. Let's stay with King James, okay? All right. Headdress. All right. To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them what? Beauty for ashes, oil of joy for what? Mourning, and garment of praise for spirit of what? Heaviness. That's talking about deliverance. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Cela parle de la délivrance. But that's still the raw material stage. Mais venons à l'étape encore de la matière première. What is the next stage? He says that these ones you have delivered, that they may be called what? Trees of righteousness, people that God can plant in the society and they will glorify his name. Those are not children, those are sons. Alors, le Seigneur est en train de dire, ceux-là que vous délivrez, vous devez les honorer à les amener à être appelés des térubins de justice, une plaçateur de l'Éternel, pour que l'Éternel puisse en tirer la gloire. Et ils ne seront plus des enfants, ils deviennent des fils. So when he's saying, prepare a people for me, he's saying, raise sons for me. Alors quand il dit, préparez-moi le peuple, il est en train de dire, suscitez-moi des fils. What would the sons do? Alors qu'est-ce que le fils serait? When they are released. Lorsqu'ils seront relâchés. Look at verse 4. Regardons le verset 4. When you send them out, they shall build the old west. Et quand ses fils l'auront relâché, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. They shall raise up former desolations. Ils relèveront d'antiques décombres. They shall repair the waste cities. Ils renouveleront des villes ravagées. The desolations of many generations. Et dévastées depuis longtemps. Which means, ce qui voudrait dire, the training process. Le processus de formation must give them the skill to build. Doit leur donner la compétence à bâtir. Must give them the skills for raising up. Doit leur donner la compétence de pouvoir relever. Must give them the skills for repairing. Doit leur donner la compétence de pouvoir réparer. It's not a talking thing, it's a doing thing. C'est quelque chose qui doit être fait. Because the Lord is sending some of you to governance. Parce que le Seigneur va envoyer certains d'entre vous dans les gouvernements. To go and restore the finance sector. Pour aller restaurer le secteur financier. You have to have an understanding of finance system. Vous devez avoir la compréhension du système financier. How does a functioning finance system work? Comment est-ce que le système financier fonctionne-t-il? How does a broken one look like? Comment est-ce que globalement cela a l'air globalement? Can you take a broken one and restore it to its normalcy? Et comment le ramener au point normal? I'm not sure I'm connecting now. Je ne suis pas sûr d'être connecté avec vous. Prepare you a people for me. Let me come. Préparez-moi un peuple.
The kind of people that when I send them to go and restore the family sector. Des types de personnes qui pourront aller restaurer le secteur de famille. They know what a family that functions according to the system of God. They know what they look like. Et ils savent comment une famille qui doit fonctionner selon les principes de Dieu, à quoi cela ressemble. And they have the skill to take a broken family, working through systems, implementing God's way to bring them towards appropriateness. Et ces personnes doivent avoir les compétences de pouvoir prendre une famille sur le plan global, les amener à travers le processus dans le système de Dieu afin que cette famille puisse ressembler à la famille selon les principes divins. It takes skill. Pour cela, vous avez besoin de compétences. That's more than shouting hallelujah. C'est plus que crier alléluia. That's knowing what to do. Et c'est ce que Dieu veut faire. Hello. That's why I say, if God is calling you into any system, voilà pourquoi je dis any sphere, si Dieu vous appelle dans un système, dans une sphère donnée, go and study that sphere. Dieu est déjà dans cette sphère. To understand what the systems of that sphere look like. Pour comprendre comment le système de cette sphère, à quoi cela ressemble. Actually, en fait, who is a doctor? Qui est médecin? A doctor, le médecin, is someone, c'est quelqu'un, that has studied our body, qui a fait l'étude du corps humain, knows how the different aspects of the body function normally, et qui connaît comment fonctionnent les organes, les différents organes du corps. When they do a diagnosis, et quand il fait le diagnostic, they're trying to detect what? Abnormality. Il va détecter ce qui est anormal. And they know the prescription to give. Et le docteur sait quelle prescription faire. To return it to normalcy. Afin de ramener la santé à la normale. What do we call such people? Alors comment nous appelons ces personnes? We call them doctors. On les appelle les docteurs, les médecins. Well, I want to submit to you. Alors, ce que je veux vous soumettre. As somebody that takes a broken financial sector and return it to normalcy is also a doctor. Donc, celui-là qui prend un système global de finances et ramène cela dans le normal, dans la normale, cette personne est aussi médecin. Somebody that takes a broken education sector. C'est quelqu'un qui prend un and restore it to its normalcy is also a doctor. Celui qui prend un secteur éducationnel brisé qui n'est pas en norme et qui ramène cela à la normale, cette personne aussi est un médecin du système éducationnel. Willing women. Femme pleureuse. God is saying. Dieu est en train de dire. Raise me doctors. Suscitez-moi des filles, des docteurs, des médecins. Not just doctor of medicine. Pas seulement des médecins en médecine. Doctor of finance. Mais des docteurs en finance. Doctor of education. Des docteurs en éducation. Doctor of agriculture. Des docteurs en agriculture. Doctor of marriage. Des docteurs dans le mariage. Not doctor by title. Pas des docteurs de titre. But doctor by knowledge. Mais des docteurs par la connaissance. Understanding. Qui ont la compréhension, la connaissance. When you develop such people, et quand vous développez de telles personnes, and you send them out, et que vous les relâchez, they will rebuild. Ces personnes vont rebâtir. They will raise up. Ces personnes vont ressusciter. They will restore. Ces personnes vont restaurer. In other words, en d'autres termes, they will transform. Ces personnes vont transformer les choses. Their sectors. Vont transformer leur secteur. And they will do it. Et ces personnes le feront. Not by speaking, pas dans les paroles, but by doing, mais par les actes. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Praise the Lord. Louez le Seigneur. As I conclude, et alors que je suis en train de conclure, Professor Edward Deming, le professeur Edward Deming, comme il a dit, was a professor of statistics in the U.S. Il est un des professeurs en statistique aux États-Unis. He made a profound statement. Il a fait une déclaration profonde. He said. Il a dit. Performance failure
When there's a failure in performance, quand il y a de l'échec dans la performance, 80 to 90% of that failure is due to the system. 80 à 90% de cet échec vient du système. Not people. Pas des gens. In other words, en d'autres termes, old system, l'ancien système, will produce old result. Produira toujours l'ancien résultat. If you want a new result, si vous voulez un nouveau résultat, what do you do? You change the system. Answer me, what do you do? Qu'est-ce que vous faites alors? Vous changez. I can't hear you. What do you do? On change le système. Is the church having the impact she's supposed to have today? Est-ce que l'église a-t-elle l'impact, l'influence qu'elle est supposée avoir so aujourd'hui? So don't go and start tweaking the old church way. It will not produce the new result. Alors n'allez pas encore agir de la manière de l'ancienne église parce que ça ne va pas produire un autre résultat. The Lord said, "Behold, I do a new thing." Le Seigneur dit, voici, je fais une nouvelle chose. But we are still tweaking the old. Et il continue dans l'ancien. Hoping it will produce new results. Pensant produire un nouveau résultat. Tell your neighbor it's time for a new thing. Dis à ton voisin, c'est le moment de it's nouvelles a choses. New season. C'est une nouvelle saison. It's a new season. C'est une nouvelle saison. And then Professor Deming made a second statement. Et ce professeur a he fait says, une deuxième déclaration. Anything you do. Il dit tout ce que vous faites. That you cannot describe in terms of systems and processes, you don't know it. Tout ce que vous faites sans avoir, sans pouvoir le décrire en termes de système et de connaissances, ça veut dire que vous ne connaissez pas ce que vous faites. Anything you do, tout ce que vous faites, and you don't understand it enough, et vous ne comprenez pas to assez, to know that it's based on systems and principles, et vous ne connaissez pas assez le système, les principes, and it's very nebulous in your mind, et c'est nombreux ou énuméré dans votre pensée. It says you are a storyteller. Alors vous êtes you are a juste storyteller. Quelqu'un qui raconte des histoires. Vous connaissez pas quelque chose. Vous ne connaissez rien, vous racontez des histoires. Oui, you don't even know I speak French, did you? So as I conclude. Alors que je conclue. The Lord wants us to take training very serious. Le Seigneur veut que nous prenions au sérieux les formations. The kind of training that imparts skills. Les formations qui vont nous apporter des compétences. Unwilling women, I so appreciate you. You are so ahead of many ministries. Et je vous apprécie vraiment les femmes pleureuses parce que vous êtes très, très en avance par rapport aux autres ministères. But be the best. Mais soyez les meilleurs. Be the best. Soyez les meilleurs. I say be the best. Je dis soyez les meilleurs. I say be the best. Je dis soyez les I meilleurs. I say be the best. Soyez les meilleurs. Push yourselves to the best. Poussez-vous à l'extrême pour aller au meilleur. And manifest his glory. Et manifestez sa gloire. Shall we stand? Levons-nous. Prepare ye a people for me. Préparez-moi un peuple. Lord, I commit your children into your hands. Seigneur, je remets tes enfants en tes saintes mains. You have a purpose for their lives. Tu as un but pour leur vie. Lord, Seigneur, will you help them? Aide-les. And guide them. Et guide-les. Every one of them. Chacun, chacune d'entre elles. To locate. Afin de localiser. Their sphere of influence. Leur sphère d'influence. And to develop. Et à développer. The skills. Les compétences. The understanding. La compréhension. The character. Les caractères. Needed. Dont elles ont besoin. To manifest. Pour manifester. And Lord, as they do. Et alors qu'ils feront cela. Elevate them. Élève-les. Exhort them. Exalte-les. Bless them. Bénis-les. Favor them. Donne-leur la faveur. May they become trees. Qu'ils deviennent des arbres. May they become trees. Qu'ils deviennent des arbres. May the birds in their nation perch on their branches. Que leur nation vienne se trouver le repos and sur leurs branches. Make their roots strong. Alors que cela se fait, que leurs make racines soient fortes. Strong. Que les branches soient fortes. Make them influential. Papa, fais-les, rends-les influenceurs. To the glory of your name. Pour la gloire de ton nom.
In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Thank you. Merci.